Ah!
C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça. Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo. Et alors? Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse machin là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui. Hé, hey, Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux. Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cuic, 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 cuic. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotriques? J'ai demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Ben alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non! Ça, faut pas y toucher! C'est pas encore au point. Formidable, les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez, vous allez mélanger tous mes cailloux. Voilà, mes poussins, je préfère vous voir comme ça. Ah hey, les gars, ça marche. Continuez plus fort. Une faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge. Oh, je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon, les gars, on est peinards. C'est raté. On va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve. Cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps, les gars. On est libre! Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Garde! Avril, mène-toi! Ils vont nous rattraper! Vite! Je suis coincé! Sortez-moi de là! Aïe!
la voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les. On se tire. Accélère, Avril. Faut pas qu'ils nous rattrapent. Ah ah, vous voilà fait, les Dalton. Hé, Mio, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit. Du calcaire, n'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Et un jour, j'ai mangé une pomme sans enlever la peau. Hippolyte, oh, vous êtes tellement fort! Tenez, voilà un cadeau pour vous! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est votre nouvelle lampe! Allez, faites-lui un bisou! Ah, ça non alors! Je suis extrêmement confus, Odile, mais je ne supporte plus votre cadeau. Au revoir, petite lampe. Je serai vous ou je creuserai plus profond que ça. Mais j'étais pas du tout en train de creuser. De toute façon, si vous l'enterrez là, Odile va la retrouver. Elle passe son temps à jardiner. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais peut-être un endroit. Montre-le-moi, s'il te plaît. Et j'oublierai que c'est toi qui pille les réserves de glace la nuit. Marche conclu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me sens tout bizarre. Ça fait toujours ça, la première bêtise. Pardon, Odile. On est bien d'accord que tout ça reste entre nous. Bien sûr, Hippolyte. C'est bien, gentil Brian. Mais faudrait être sympa. Je pourrais avoir envie de tout raconter à Odile. Non, mais tu te crois où? Odile, j'ai un truc à vous dire. J'arrive tout de suite. Non, non, ça va, je m'en occupe, Odile. D'accord, d'accord, tu as gagné. Vous voyez quand vous voulez. Jus d'orange. Wow, le scoop! Hippolyte fait tout ce que lui demande Brian et sans le punir. Ouais, et c'est un peu louche, tu trouves pas? Thank you.
pas comment tu fais, mais t'es en train de révolutionner la vie au camp. J'espère qu'il n'y a pas de la magie de la forêt là-dessous. Mais non, je sais comment parler à Hippolyte, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il y avait quelque chose là, à l'instant. Enfin, Hippolyte, s'il y avait quelque chose sur la table, je l'aurais vu. Hippolyte, j'ai faim. Brian, il se passe des choses étranges. Je crois qu'elle est revenue. De quoi vous parlez? La lampe. On n'aurait jamais dû l'acheter dans le lac. Allez plutôt me préparer un goûter au lieu de raconter des bêtises. N'importe quoi. Oh, Hippolyte? Youhou! Ouais! Dis donc, et le goûter? Cette fois j'en suis sûr, je l'ai vu. Le fantôme de la lampe. Bon, arrêtez maintenant, c'est plus drôle. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fantôme. Bon, vous voyez, il n'y a rien. Fantôme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous retournez au lac, repêchez la lampe et vous vous excusez d'avoir voulu la jeter. Ça devrait faire partir le fantôme. On a fait un pacte, Brian. La lampe est revenue pour toi aussi. Bon, d'accord. On va y aller tous les deux. Elle est plus là! Alors c'est pas juste une lampe fantôme, c'est... une lampe zombie! Eh ben dis donc, ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux ces deux-là. Ouais, et c'est vraiment bizarre. On va leur demander ce qu'ils mijotent. Une lampe zombie? Oui, on l'a jetée dans le lac, mais elle est revenue. Scoop au camp de vacances. Un zombie rôde et maté sur le coup. Hippolyte, vos impressions? La lampe zombie fait tellement peur. Avec ses petits bras et son nez tout rond. Les zombies, ça n'existe pas. Et on va vous le prouver. Prête pour une enquête scientifique? C'est ma spécialité. Et on va commencer par le lac. Et son sourire, et son petit nœud papillon, c'est insupportable. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Maintenant! Tu crois qu'il y a du flop à chat derrière tout ça? Peut-être. T'as trouvé cette lampe? J'étais tranquillement en train de faire une belote au fond du lac avec les poissons et le flap à chat quand j'ai reçu ça sur la tête. Le flap à chat peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non, il met un masque et un tuba. Mais c'est pas le problème. Je vous signale quand même que quelqu'un s'amuse à jeter des horreurs dans mon lac. T'inquiète pas, Riton, ça risque pas de se reproduire. Hop, j'ai pas le droit à un petit quelque chose, moi, pour avoir récupéré votre lampe. Merci, les filles. Faudra peut-être aller voir si elle est toujours là, non? Bonne idée. On t'attend ici. Allez dans l'atelier. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Va lui parler. Ça va pas, non? Je sortirai pas. C'est de votre faute, tout ça. Non, c'est la tienne. Arrêtez. Elle va vous entendre. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. On vous a fait peur? Ah,
le Flapacha en pleine partie de cartes. Et en plus, tu prends le lac de Rito pour une poubelle. Je voulais pas l'embêter. C'était juste pour rendre service à Hippolyte, hein. Et profiter de lui. Désolée. Au moins, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est là! Du calme, Hippolyte. En fait, c'est pas du tout une lampe zombie. Lisa et Greta l'ont retrouvée dans le lac. Ah bon? Alors elle est pas en colère contre nous? Mais non! Et à chaque fois que vous avez cru la voir au camp, c'était juste une hallucination, parce que vous culpabilisiez de l'avoir jetée. Oh, bah ça, ça me rassure alors. Tiens, vous êtes tous là! Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous aviez l'air de tellement aimer la première lampe que je vous en ai fait une deuxième! J'ai passé la journée à la cacher partout pour que vous ne la trouviez pas! Oh, oui. Eh bien, merci, Odile. C'est toujours aussi magnifique. Vous venez, Hippolyte! On a un concert de rap à préparer! Tout de suite, madame la directrice. Je savais que c'était bidon toute cette histoire. Je crois qu'il te reste un petit truc à faire, Brian. Et voilà, je crois que j'ai tout sorti. Je peux y aller là? Tu ne pars pas d'ici tant que mon lac n'est pas entièrement propre. Mais Riton, je suis en train de rater le concert de rap là. Je suis sûr qu'il reste encore un vieux skate dans le fond. T'es pas drôle, hein? Du déo pour une punk? On aura tout vu. Je tiens à rester fraîche pendant mes concerts. On peut être trop belle et respecter son public. Hé, hey, gros lard! Ça te ferait mal de t'excuser! Il me cherche, le moustique. On règle ça en duel, au parc, à 18h. Ça te va, petite tête? Ok. Mais t'es malade! T'as vu le monstre? Il va te ratatiner, te briser en mille, te réduire en pâté! Les gros, ça me fait pas peur. Tu vas avoir de sérieux problèmes, ma grande. Il a raison. Je suis ton ange gardien, Takako. Et c'est mon devoir de te prévenir que tu cours un grave danger. Ouais. Trop marrant. Sois raisonnable. Tu dois cesser de te mettre inutilement en danger. Ceci n'est pas une attitude responsable. Ah, je me tue à lui dire, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Mais puisque j'ai un ange gardien, je risque rien. Pourquoi j'ai pas un ange gardien, moi? Waouh, 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 cool, mon petit père, j'arrive, y'a pas le feu. Et là, c'est pas trop tôt? Où t'étais quand j'avais besoin de toi? Pas des esclaves, j'ai des heures d'ouverture, moi. Et pour Jennifer, ce serait trop demandé d'avoir un petit coup de pouce? Vous avez besoin d'un renseignement, Hubert? Non, je... Merci. Au revoir. Tu dois me confondre avec Cupidon, mec. Un ange gardien doit veiller jour et nuit sur son protégé. T'as entendu? T'es à mon service! Alors on va voir Jennifer, je vais lui faire une déclaration et ça va être un conte de fées! Compris? À vos ordres, patron. Quant à nous, jeune fille, on tapera la discute plus tard. Là j'ai un type explosé. Et attention, en tant qu'employé, j'ai des droits. Faut pas croire. Hubert! Jennifer! Hubert! Jennifer! Takako a provoqué une grosse brute en duel! Moi, j'ai rien fait. Merci, j'ai vu. Ah, et ça ne vous inquiète pas plus que ça? Hein? Si, bien sûr, je parlais juste à moi, enfin, le là, derrière, le... Te fatigue pas, vieux, elle me voit pas. Vite! Il faut empêcher ce combat!
Mais vous faites rien, là? Oh là, on intervient rarement à chaud. Notre travail est essentiellement préventif, vous savez. Et il n'y a jamais d'accident? Ça arrive. Hubert, faites quelque chose! Ok! Je vais m'échauffer. Est-ce que je me fais bien comprendre? Chef, oui, chef. Donc, j'interviens. Grâce à vous, je gagne et Jennifer me tombe dans les bras. C'est bien le plan? Sûrement pas. Hors de question que mon protégé perde. Hubert! Dépêchez-vous! Cool, man. On négocie un match nul? Non. Mais c'est contraire à l'article 725 du Code des anges gardiens. Ouais. Jennifer, non! Yeah! À nous deux, misérables! Plus souple sur les jambes, Hubert. Voilà, tenez votre garde! C'est bien, mon grand massacre-l'air! Hop, 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 on n'intervient pas. Arrête! Mais c'est qu'il est chatouilleux, le grand dadé! Même pas vrai! Arrêtez! Victoire de Takako! Yes, papa! Bravo! Loser! Reviens me voir quand t'auras pris du muscle, bonhomme! Hubert, j'ai eu tellement peur. Vous avez été formidable. Vas-y, vieux, c'est le moment. Qu'est-ce que je dois dire? Ne dites rien. C'est pas facile pour moi, je préfère les petites brunes un peu rondes. C'est pas facile pour moi, je préfère les petites brunes un peu rondes. Vous devriez vous reposer. Vous avez subi un choc. T'es vraiment le champion de la boulette, mon pote. Hein. Dégagez ma vie! Je veux plus jamais te voir! Je suis viré. Cool! Et t'as vu la droite que je lui ai mise? Ping! Uppercute! Ha! Il l'a senti passer, celle-là. Merci pour le coup de main, en fait. Mon meilleur ange gardien, c'est toi, finalement. Wow! Et tu vois pas que tu gênes le passage, gros tas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Laissez, j'ai la technique. Ça m'arrange, j'ai une tonne de paperasse à faire. Il est gris sur le bidon. Ou qu'il est chatouilleux. Ah, vous n'êtes pas très chatouilleux, vous, dis donc, hein?